Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du métro, de mes petites expériences, etc. On s'est bien marré. Et du coup, j'étais allé sur YouTube pour essayer de trouver des mèmes marrants à mettre dans la vidéo. Et en faisant mes petites recherches sur YouTube, j'ai vu des dingueries dans des métros. Waouh, hey. Ouais, parce que c'est ça fait partie de mon travail, hein. Regarder des vidéos YouTube, c'est mon taf. Oh, Léo, t'es encore devant YouTube? Mais fais quelque chose de ta vie. Non, mais là, je taffe, maman. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais pas regarder les vidéos, je vais me les laisser pour plus tard et on va les voir ensemble. Je me suis fait une petite playlist et tout, comme un grand garçon. Alors écoutez, c'est parti. Je me suis perdu dans l'espace-temps, perdu la trace du lapin blanc. D'accord, elle est un renard, ok. C'est pas ultra fou. Après, quand même, il est vachement sage quand même. Il est bien éduqué ce renard, dis donc, hein. Machine d'Aïsot, fallait pas me donner des croquettes pas chères, salope. Mais non, tout se passe bien, il est mignon, il est très sage en plus. On lui souhaite une bonne continuation. Bah, oh non, pas les chaussures, oh non, pas les pieds, par pitié. Les pieds me dégoûtent. Je suis en train de se décoller un truc là. Oh non, c'est pas possible. J'en perds mes mots. Comment tu peux faire ça en public? Vous adorez manger du parmesan en disant? Oui. Mais vous n'avez pas de parmesan à proximité. Oh. Bah non. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez du parmesan sur votre corps. Il vous suffit de gratter la crasse de vos pieds et de la gober. Ah, merci. Oh, t'es mal à taille du rat. Est-ce la nature qui imite l'art? Ou est-ce l'art qui imite la nature? Vous avez 4 heures. Sur combien vous notez mon setup, les gars? Non mais c'est pas possible, le mec claque son plus gros Fortnite dans le train, au calme. En vrai, il donne envie, là, avec son putain d'écran, là. Après, bon, je peux pas le faire pour une bonne raison. Ok, Donatien, le docteur a dit qu'il fallait que tu sois calme. Le train, c'est répétitif, c'est très bien. On va se reposer. Ah, voilà. Si ! Encore un dopage, je dors chier dessus comme si j'avais la diarrhée. Ah, mon cœur, mon cœur. Alors, ceux qui ont le phobie des clowns, RIP pour vous. Oh, vous rentrez dans ça, mais c'est les portes de l'enfer. Oh putain, et à gauche on a la laitière, ça tue. Et merci la laitière pour tes yaourts et toute autre confiserie. Mais les gens font n'importe quoi. Putain, il était temps de découper mon ref, hein. C'est quoi ces griffes, mec? On dirait genre un loup-garou qui a commencé sa transformation mais qui s'est arrêté, tu vois, parce qu'il y a eu un nuage qui est passé devant la pleine lune. Et du coup, il est bloqué comme ça. Eh merde. Oula. Oh là. Oula. J'en connais un qui a regardé trop Naruto, là. Calme-toi, Sasuke. Tu te rends pas compte, le gars, mais il trébuche, il se perd une couille, quand même, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, c'est un serpent.